à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, le vlog numéro 3. Là, Béa et ma maman ils sont déjà partis à la salle. Nous, on va s'apprêter pour partir. Du coup là, on va vous filmer quand on s'apprête. Moi je pense que je vais aller à la première dans la salle de bain. Et après Eric elle va y aller. Je pense que je vais juste faire une demi-couette. Hein. Une demi-couette haute. Parce que je flemme de faire un truc incroyable. Aujourd'hui c'est moi qui passe le soir. Je passe mon premier passage à 21h et mon premier à 22h. Du coup, je vais bien être KO, mais je vais voir ma pote maintenant. Et après, je vais rentrer, faire une sieste. Au moins, je serai pas fatiguée. Parce que sinon, ça va être catastrophique. Erika, ça va? Ok, je vérifie juste que t'es vivante et que tu t'es pas endormie. On sait jamais, hein. Voilà, là, on est dehors. Jamais. Et on marche vers la salle. On est un peu fatigué, la tête dans les fesses. Mais c'est pas grave. Ma maman, elle nous a laissé aller tout seul parce que j'ai l'habitude. Oh, waouh, regardez. Viens, Eric, on va vite là-bas juste pour voir la mer. Okay. On a rien fait, les amis. Après, on fait un petit détour. Il est quelle heure, là? Il est 8h08, ça va, elle passe. Oh, purée de pommes de terre, c'est very beau! Regardez le ciel, the sky. Et où le soleil? Moi je veux voir le soleil. Ok, attendez, on va faire une... Je vais vous faire un petit. Comme ça, une petite vue de la mer. Du coup, je vais retourner l'écran. Regardez comment c'est beau, waouh! Regardez. Voilà, petite vue pour vous. Nous, go, courir pour aller à la salle. Wouhou! Attends, ça marche? Hop là. Waouh, la vue. Waouh. Ok, on se retrouve à la salle. Si on a l'heure. Voilà, là, on est arrivé à la salle. Et après, il y a une fille pubée. Hein. Du coup, on espère qu'elle va bien faire. Bon, à tantôt quand Béa passe. Allez Béa! Voilà, Béa a fini, elle est là. Et maintenant, maintenant on marche pour aller déjeuner parce qu'on crève tous la dalle. Dans un petit café et ouais, rose. Et après, moi j'ai trop soif. Je dois boire là, j'ai pas bu depuis ce matin. Là il est actuellement... Il est 9h03. Et Béa tombe. Dommage, j'étais pas en train de filmer, je regardais le... Ok, du coup là on y est presque. On se retrouve quand on est au petit café. Voilà, on est arrivé, c'est super beau, regardez. C'est super mignon là. Attends. Du coup moi j'ai pris des pancakes, j'ai pris un smoothie exotique. Et on va vous montrer tout ce qu'on a pris après. Moi aussi j'ai pris la même, mais juste un coup de smoothie quoi. Ouais, et après smoothie mangue. Et toi? Moi j'ai pris un croissant au chocolat et un jus d'orange. Ah, t'as vu, elle a pris ça en plein. On a voulu faire exotique. Exotique. Ok, on a déjà reçu nos boissons. Du coup, Irka, pour ta boisson, combien sur 10? 10. Tiens, un smoothie, mon ange. Elena, combien sur 10? 10. 10. C'est même que. Moi c'est 10. Mais je préfère le mien que le leur. Moi c'est exotique. Il est super bon. Là on attend les pancakes. Du coup elles sont en train de pleurer devant leur compte parce qu'elles doivent pas manger. Coucou.
du coup là, j'ai fini ma sieste de 2h30 exactement. Puis j'ai dû me grouiller pour m'apprêter, vite, pour aller faire le podium de Béa. Du coup, là, on se dirige vers la salle pour le podium. Après, on va aller faire du shopping. Et après, vers 16h, 17h, on va aller manger. À 16h. Ouais, et après, à 16h, on va manger jusqu'à 17h. À 17h, on va rentrer à l'hôtel. Je vais pouvoir me reposer une heure, puis me préparer. Puis après, on va aller à la salle, je vais m'entraîner, faire ma coupette, et puis dodo. Du coup, voilà, petit résumé de la journée. Moi j'ai pris un sandwich avec du poulet, du fromage, des poissons, crapaud au four, un burger au poulet. T'as pris quoi? Un burger poulet. Un burger poulet. Un burger. On se retrouve quand on a les plats. Voilà, là on a fini de manger et on retourne à l'hôtel. Je vais un peu me reposer pendant une heure et puis je vais préparer pour faire mon chignon. Shopping? Ah, mais sérieux, je voulais faire shopping. Mais t'as 0€, tu vas faire shopping avec quoi? Je sais pas. Voilà, c'est tout. Tu veux que je t'achète? Bah, c'est super gentil de faire ça, Jacob. Waouh! Voilà, je suis prête, j'ai toutes mes affaires et on part pour la compète. Ah, je peux une. Tu la craches au moment d'entraînement, Erika, tu vois? Ouais. Erika? Voilà, là on est en train de marcher vers la compète. Il fait froid! Je sais pas si vous m'entendez bien parce qu'il y a beaucoup de vent. Et si vous me voyez bien vu qu'il fait très noir. Du coup, là il est 19h15, 20. Et je pars pour commencer l'entraînement. Jamais trop tard, les amis. Du coup, là, on se retrouve à la salle quand je suis occupée à faire mon entraînement. Bah bon, par contre il y a eu un petit péripétie, regardez, en fait je m'entraînais et j'ai vu mon chausson, il était comme ça. Je sais pas si vous voyez mais il y a une tache et du coup j'ai fait oh caca, qu'est-ce que ça. Et en fait je me suis ouvert le pied, enfin l'orteil, je sais pas comment ni de où ça vient. J'ai pas eu le temps de regarder, là je vais vite prendre un pansement pour pas que ça s'infecte parce que ça s'accroche à mon chausson, ça me dégoûte. Le pire c'est que ces pansements ils mettent une heure à découper. Ça me dégoûte, en plus ça me fait super mal quand j'enlève. Regardez. Bon, ceux qui n'aiment pas les pieds. Je te vois dans la vidéo. Oh, oh. Je me suis ouvert le pied quand c'est passé. Arrête. Mon orteil. Okay. En fait, je m'entraînais et je vois, j'ai ça. Et j'enlève, il y a plein de sang et tout, c'est dégueu. Oh. T'as pas senti? Mais non, parce que je t'ai dit que c'était bizarre quand je passais. Heureusement que j'ai pris mon petit ciseau avec. Mais j'ai des... Ah non, j'ai pas mon sac. Okay.
Voilà. Tu moi je fais aussi un thé. Là il fait dark. Et j'ai fini la compète. C'était ballon, j'ai fait sans perte. C'était bien, mais j'ai pas eu des très bons points parce que je sais pas. Je suis un peu déçue parce que les juges ils aiment pas le ballon apparemment. Et j'ai fait cerceau et j'ai fait une perte en dehors du tapis. J'ai fait une bête perte au début. Et j'ai loupé un élément du coup vu que je suis en retard. Du coup c'était un peu caca. Mais j'ai eu plus de points qu'au ballon. Trouver le problème. Du coup voilà. J'ai un peu le seum du coup parce que si j'aurais tout réussi, ben j'aurais eu des points de ouf malade. Et vu que j'ai tout raté, ben j'ai eu des points merdiques. Du coup voilà, j'ai le seum. Mais c'est pas grave, demain est un autre jour, on va essayer de faire mieux demain. Même si c'est ruban et massue, les pires engins. Ça se trouve c'est les meilleurs, ça va être les meilleurs. Du coup voilà. Là je vais vous filmer un peu quand je me démaquille et que j'enlève ce chignon. Mais je vais laisser la queue pour pas devoir tout refaire demain parce que j'aurai un peu la flemme. Et voilà. On se voit à l'hôtel. On se voit à l'hôtel. On boit du thé. Bisous. Voilà, on est rentré. Je me suis démaquillée et j'ai enlevé mon chignon. Juste laissé la queue, plus ou moins. En fait, le problème, c'est qu'en enlevant une pince, j'ai fait une bosse. Du coup, je vais devoir essayer de réparer ça demain. Et voilà, Béa, elle s'est lavée. Les cheveux, elle s'est démaquillée. On a encore un peu de bleu, il veut pas partir. Tellement que c'est pigmenté là. C'est vrai, hein, on a des yeux barbes. On va pas. On a un bâtard là. T'as mis avec quoi? Avec du miel. Ah, mais genre comment t'as mis? Fait. Mais pas trop vite, hein, il y a beaucoup. Hein. Mais t'as mis tout, tu vas mettre tout le pot? Mais non. Mais là, t'as mis la moitié. Hein. J'ai eu le seum d'avoir fait deux pertes, en vrai, j'aurais pu avoir beaucoup de points. J'ai du mal à mon gros orteil là. Et dire que là, il y a des gens qui font la fête, il y a des gens qui travaillent, il y a des gens qui dorment. Qui dorment, la plupart du monde dort parce que là, il est minuit. Et nous, on est là. Faire ma skincare, boire du thé. En vrai, tranquille. En vrai, ouais, on a de la chance. Hein. Vous savez, à la compète, j'ai reçu un cadeau avec un sachet de rituel. Et dedans, il y avait un livre à coloriage. Une gourde, des bonbons et un calendrier de l'Avent. Enfin, non, pas un calendrier de l'Avent, un calendrier normal. On va vous laisser. Vous avez bien aimé le vlog numéro 3. Numéro 3. Excusez pour autour des pouces bleus et la petite cloche. Abonnez-vous. Bisous. Ciao. Bye.